Salut l'équipe, c'est Jissan et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Dragon Ball Xenoverse 2. Et dans cette vidéo, nous allons nous intéresser au nouveau mode de jeu, les fameux Crystal Raid. Alors, ce qu'il faut savoir sur ce mode, c'est que dans ce mode, vous allez pouvoir créer votre propre raid et donc incarner un boss de raid. Vous serez à 1 contre 5 et vous ne pourrez pas utiliser de capsules pour régénérer votre santé. À savoir que vous pourrez faire un didacticiel qui vous expliquera en détail comment se passe ce mode de jeu. Et le recommencer si vous le souhaitez en parlant un petit robot juste ici. Pour créer votre raid, il vous faudra parler à Few. Par contre, pour créer son raid, il vous faut un cristal du royaume des démons. Ces fameux cristaux s'obtiennent en remportant des quêtes expertes. Pour avoir facilement des cristaux, je vous conseille d'aller faire la quête numéro 16 de Vegeta. C'est la plus simple et la plus rapide. En technique, je vous conseille de prendre la méditation pour avoir 10 bulles de ki. Ainsi que la technique ultime de Golden Freezer, le rayon mortel de l'Empereur. Normalement, comme moi, vous finirez la quête très vite, en moins d'une minute en moyenne, et avec un peu de chance, vous obtiendrez un cristal du royaume des démons. Si ça n'est pas le cas, je vous conseille de recommencer et de farmer énormément de fois. De toute manière, c'est totalement aléatoire. Quand vous aurez obtenu le cristal, vous pourrez aller voir Few pour créer votre raid. Ensuite, dans le menu de sélection, vous pourrez sélectionner un boss de raid parmi plein de personnages. Personnellement, je n'avais ni Denigra, ni Mira, ni Zamasu dans sa forme corrompue. J'ai donc pris un perso au hasard. Personnellement, j'ai perdu en faisant seulement 2 kills, c'était minable, mais malgré tout, j'ai obtenu un rang Z. Ainsi qu'un accessoire, c'est la tête de Freezer, forme finale. C'est moche, mais c'est une récompense exclusive à ce mode, donc ce genre de récompense, vous pourrez les obtenir seulement dans ce mode de jeu. Donc c'est plutôt intéressant. Pour obtenir Mira, Zamasu dans sa forme corrompue ou Demigra, il vous suffira d'aller à la boutique PT et d'acheter un cadeau pour leur offrir. Comme vous pouvez voir, il y a pas mal de cadeaux, mais on reviendra sur les autres dans une autre vidéo. Dans celle-ci, on s'intéressera surtout au nouveau mode de jeu. Et du coup, si vous voulez Mira, vous devrez acheter son cadeau. Pour Zamasu et Demigra, ce sera pareil. Personnellement, je n'avais pas assez de PT, du coup je me suis contenté de celui de Demigra, car c'est tout simplement le personnage le plus rare des trois à mes yeux. C'est le boss final de Xenoverse 1, et depuis ce jeu, j'ai tellement envie de jouer avec. Donc voilà, je me suis direct dirigé vers lui, c'était évident. Une fois que vous avez acheté le cadeau, il vous suffira d'aller voir Few et de lui offrir. Comme ça, vous pourrez ensuite utiliser Demigra dans un raid ou même en mode entraînement, et ça, c'est vraiment pas mal. Et du coup, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Dans cette vidéo, je vous aurai montré comment avoir les cristaux du royaume des démons, comment créer son propre raid, ainsi que comment avoir Mira, Zamasu fusionné et Demigra. Du coup, j'espère que ça vous aura plu. Moi, je vous dis donc à la prochaine. Prenez soin de vous. Ciao.